C'est comme, les vidéothèques, tu vois, ben, il n'y a plus. Ben, donc... Ça louait, quand ça louait cassette. Quand ça louait cassette. Ben oui, ça louait cassette, il fallait te ben ramener. Ben oui, ouais, c'est, tout ça, là. C'était le Netflix, ouais, c'était le Netflix d'avant, si on regarde bien. Parce que avant, tu ben, Netflix, t'as vu qu'un location de cassette avant Netflix, c'est ça, hein, Netflix, ouais. Oui, avant ça. Ou t'es bas, ou t'es prends, ou t'y fumes Van Damme, ou t'y prends, tu fumes Jack Lee, ou t'es prends un petit peu de dessin animé, ou t'es prends un dessin animé pour t'y maramaille, ou t'es prends un petit film Bruce Lee, ou t'es loué au moins 4-5, après, ou t'es calé dans le salon, tout de mou, t'es bien, ouais, c'est ça, t'es belle aussi, t'es bien. Ou t'es prends un petit manga, mais t'es connais pas s'il avait la fesse. Oui, mais on voit ce que après, attention, c'est par rapport. Ce qui était bien avec bonne truc cassette, côté lui cassette, des fois, bon, après, la langue était bizarre, mais des fois, ben là, on avait des versions québécoises, et on avait des films, ils sortent cinéma, mais une semaine après, ben là, t'es guéri en cassette, mais une version québécoise, parce qu'à l'époque, quand un film t'es sorti cinéma, quand t'es sorti en France, t'es guéri 6-7 mois après. À l'époque, c'était comme ça, maintenant, il est plus comme ça, hein. Maintenant, déjà, nous les bien lotis, parce qu'on était guéri en avant-première comparé à tout le monde. Mais à l'époque, voilà, t'es 6-7 mois, et des fois, on avait pas, man, il blague tout ça là, mais, ou t'es gagné le truc en cassette, et lui aller au cinéma, et ça t'est cool, ça. Ouais, ça t'est belle, et en plus, le truc, c'est que, Pokémon 2, le film Pokémon 2, bah, là, le gars en cassette, il écrit, Pokémon 2000. Il a pas un pointage là-dessus. T'es à belle époque. Ça n'entend pas, d'être tant que les moins de 30 ans, non, mais nana, espèce, l'émission, il fait ça, il finit de mouneux, vidéo club. Attends, Aline a une collection, on va mettre cette vidéo, je sais pas c'est qui, voilà. Mais, ouais, même le truc, c'est qu'il regarde, maintenant, on a Netflix, on a un truc VOD, mais au final, chacun, il peut regarder un peu quand il veut, son téléphone, son tablette, ça fait comment, alors qu'avant, comme c'était un peu le cinéma atom, ben, tout de monde, t'es bien regardé en même temps. On avait du seul, peu importe là, en fait, tout de monde, t'es bien à côté, et on avait un petit côté familial, t'es chouette, et on peut encore avoir Netflix, c'est vrai, mais pas tout le monde fait ça, maintenant, tout le monde, il consomme en solo. Les pareils pour les jeux vidéo avant, où t'es bas à la cassette à Londres. La cassette camarade, t'es gardé à jouer, ou t'es bien sûr. Où t'es branche manette, où t'es joué avec le moon. Ça, c'est un truc que, c'est d'ailleurs, ça aussi que souvent, il fait bonne jeu cop et multi, parce que, il rappelle à l'époque. D'ailleurs, parlant de location, Secret of Mana, bah là, je vais aller en location. Il avait un train, t'es loué jeux vidéo, à Saint-Benoît, et mettez ça là-bas à chaque fois, t'es payé une petite location, mais je sais Cut of Mana, m'a pas fini le jeu, m'a la reloué le jeu pour finir le jeu, parce que m'a pas fini avant les locations de finir. Ou le deuxième, on disait, ça, que la réunion avait un truc, location, oui, vidéo, et me t'y connais même pas. Mais il n'était pas saigné. Ah ben peut-être. Vidéodra était fait aussi, non? En tout cas, elle avait un train de... Elle m'a jamais loué. L'époque,